Eh bien, salut, rebonjour, rebonsoir tout le monde. On est de retour dans Rise of Tomb Raider, comme vous pouvez le constater. Et on est là pour... aller faire une petite crypte. Histoire de bien commencer la partie. Enfin, la vidéo. On va faire un trésor de crypte rapide. Et ensuite, on continuera l'histoire qui consiste à amener l'Atlas... Grâce à l'observatoire, on pourra le déchiffrer. Et au passage, j'ai enfin réussi à atteindre les parties que toutes les caches et autres trucs que je voulais. Il fallait juste passer l'histoire. Et j'ai trouvé le dernier défi de la zone. Il s'agissait de lancer des courges dans des caisses. Ouais, je sais, c'est très original. Et ça m'a permis de faire du basket. Et j'ai aussi amélioré pas mal de mes armes, l'arc et le pistolet en l'occurrence. Il va falloir beaucoup de cuivre et de pièces mécaniques. On va descendre doucement. Ouais. Il n'y a pas à dire. Mais avec tous ces matériaux, nouveaux matériaux qu'on a eu, équipements, on peut sans problème aller où on veut. Et regardez ce qu'on trouve. Rivka rejoignit le prophète, parce que son mari, un noble de la Russe, était un gros. Il y a juste à trouver la crypte et ce sera bon. Enfin, on est dans la crypte technique. Mort. Mais on n'a pas encore trouvé son trésor. Il faut qu'on trouve la tombe à laquelle elle est attribuée. Et ça devrait aller. Ah bah voilà, c'est fait. Point d'intérêt révélé, merci. Y'a pas de pièce d'or? Tant pis. On a déverrouillé un arc. Tant mieux! Ah bah tant mieux. On a déverrouillé un arc. Ah bah c'est parfait. Ouh. Oh, j'allais rater ça. L'architecte. Pas de points d'expérience, ça fait pas de mal. Comme quoi on passe à côté de bien des choses. Ah, de l'huile, parce que j'en ai consommé aussi pour améliorer les armes, alors autant en prendre. Bon, alors dans le dernier épisode, on a récupéré l'Atlas en premier contre les Trinitaires, mais la majorité d'entre eux sont fait massacrer par des immortels qui ont failli nous faire la peau. Donc autant dire, c'était pas la joie. Enfin bref, on a réussi à s'en sortir et maintenant... J'ai récupéré à peu près tout ce que je pouvais récupérer. J'ai refait un peu de chasse, histoire d'avoir suffisamment de cure pour... Mais malheureusement, j'ai un peu consommé dans les armes. Donc... Allez! Maintenant, on ne perd plus de temps. Et on va aller voir au prochain feu de camp ce qui est le nouvel arc qu'on a eu. Avec toutes les améliorations que j'ai, à mon avis, c'est quand même pas rien.
Ah, et finalement, dans la dernière zone où je lui ai dit qu'il me manquait une cage de survie, et ben si, j'ai trouvé finalement, ça y est. Ça y est, l'acropole, je l'ai fait à 100% comme vous le voyez en haut à gauche. Là, c'est des gens qui sont en train de faire un enterrement. J'ai eu le droit à un succès en approchant d'eux. Agios prophétès. Ouais. Agios satanatos. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, il y a eu un succès là, mais bon. Et le feu de camp est là. Par contre, on va pas encore faire. Soupir sinistre. Est. Et là, il n'y a pas autant d'amélioration que les autres. Vraiment, il va falloir beaucoup. Mais je vais garder celui-là comme arc, c'est mieux. Il va falloir beaucoup, dis donc, de matériel. Enfin bref. Messieurs, dames, on ne peut, comme je dis, on ne peut pas malheureusement faire encore toutes les défis tombeaux parce que je me suis rendu compte qu'il nous reste encore un matériel à avoir, les flèches à pointe crantée. Jonah ! Ah, cinématique, j'étais pas sûr. Bonne mine. Mais au moins, t'as le sourire. J'avais raison, Jonah. Mon père avait raison. La source divine existe. J'aurais tant voulu qu'il voit ça. Il serait tellement fier. Sophia m'a dit tout ce que t'as fait pour son peuple. Ouais. Lara. Ravie de te revoir, Sophia. Jacob t'attend dans l'observatoire. Ah bah tant mieux. Ah bah dis donc, je vois bien que c'est un observatoire, mais il est où le télescope? Vous l'avez trouvé? Ah oui. Il était rangé. Les fondateurs de Kitage étaient de brillants artisans. Ah ça, je veux bien croire. Ils venaient dans cette pièce pour visualiser l'Atlas. D'accord. Allez où la fenêtre? Jonah, tire sur ces chaînes. Avec plaisir. L'ingénierie absolue. C'est de l'astrologie ou quoi? Ils ont dû s'en servir pour planifier la construction de la cité. C'est comme un dessin technique. Exactement. On dirait que tout l'ensemble émane de ce point. Ce qui placerait le cœur de la cité juste sous le lac. Ah ah. Mais il y a quelque chose qui cloche. Bah quoi? La cathédrale, où se trouvait l'Atlas, elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Stop! On y est. Alors? Kitège ne se trouve pas sous le lac. La cité est sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette glace? Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale se trouve là, et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitège est forcément... ici. Oh. L'entrée de Kitège est ici. Vous le saviez. Évidemment. Il y a plus longtemps.
génial. Voilà, il faut vite. Oh, bon réflexe. C'est elle. Tu es là. Trop tard. N'essaie pas de m'aider. L'Atlas, tu l'as lâché. Eh merde. Lara. Ça c'est pas bon. Oh non. C'est pas vrai. On a plus beaucoup de temps. Il ne faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais je peux pas laisser tomber Jonah. Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Voilà. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Je te remercie. Et une question, on va où ? Ils sont allés où en fait ? Bon, du coup, la cité se trouve sous un glacier qu'on peut pas atteindre. On va aller sauver notre ami qui est je ne sais où. Ah, y'a pas à dire, mais on a une bonne journée. Si Jonah est en vie, ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Ah bah quand même. Je n'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Mais je ne peux pas le laisser aux mains des Trinitaires. Ah, ça me fait penser, je suis aussi allé retourner voir le marchand et j'ai acheté quelques trucs. Par exemple, un viseur pour pistolet. Pour fusil, pour améliorer le zoom. J'ai un silencieux pour pistolet. Et j'ai aussi un lance-grenade. Ouh oui, j'ai un lance-grenade. Croyez-moi, on va s'éclater. Enfin, surtout en face. Jonah, tiens bon. Sophia, tu es là ? Lara, est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Ouais, enfin, si on reste en vie, hein, parce que... Ah, ça fait déjà du bien. Et il faut qu'on ouvre ce coffre. D'accord. Bah, je suis pas contre. Nouveau matériel. Tête de flèche... Oh! Et c'est escalader en bois. Maintenir T jusqu'à ce que le tir soit chargé au maximum. Oh, alors ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Attendez, d'abord, on va vendre ça. Lara ! Réponds-moi ! La dernière fois que je t'ai vu, t'étais... Oh, c'est pas vrai. Où est-ce qu'on est, là ? Ah, c'est la zone que j'arrivais pas à atteindre. Ah bah d'accord. Ah mais ça me rassure. Moi qui pensais que je pourrais jamais y arriver. Ah ça, ça m'intéresse aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Il y a un document là. Mais maintenant qu'on a les flèches crantées, dans le prochain épisode, on pourra peut-être faire tous les tombeaux qui nous restent. Là, c'est pour une très bonne idée. Alors, est-ce qu'il y a un truc à dire ? Ils ont Jonah maintenant. Et l'Atlas. Mais s'ils pensent qu'il sait quelque chose, il y a encore une chance qu'ils le gardent prisonnier.
J'espère simplement que Jonah tiendra le coup, le temps que je le retrouve. Je dois le ramener. Je ne le laisserai pas mourir ici. Tiens mon Jonah, j'arrive. Ouais, j'ai amélioré ce genre de pistolet au maximum. Parce que tous les pistolets n'ont pas les mêmes améliorations, c'est bien ça le problème. Par exemple, là, il me faudrait au moins 5. On va peut-être le garder, lui, en fait. Bon, celui-ci, j'ai un silencieux pour pistolet, le lance-grenade et le truc à vision laser qui me permet d'augmenter la visée. Par une précision. Ah bah, mieux en mieux. Encore de la propagande. Là, on va tout débloquer. Non, je peux pas ouvrir ça. Et malheureusement, je suis obligé de passer par là. C'est parti ! Je m'attendais un peu mieux, mais tant pis. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir accès à cette zone maintenant. Oh, génial! J'adore la tyrolienne! J'ai même pas eu besoin d'appuyer! Ça va être là-haut qu'on va aller, je suppose. La tempête se rapproche. Non, on va... Oups, ça c'est pas bon. Ok, bon au moins je suis pas mort. Mauvaise nouvelle. Eh ben, je dois tout recommencer. Ah ben, en plus, il fait froid. Bon, je vais pas me plaindre quand même parce que j'ai réussi à avoir un nouveau matériel. On va se téléporter avec les feux de cœur, ce sera plus rapide. Et on va recommencer cette fois en faisant très attention. Quoi qu'il y a ça qui est plus rapide. Pourtant le complexe soviétique, je l'ai bientôt fini à 100% comme vous le voyez. Bon, il y aura peut-être la mission de Baba Yaga à faire d'ailleurs. La mission de Baba Yaga, il faudra que je la termine avant la fin du jeu, je crois. Ce serait logique. Donc pour ça, ce serait avant le tout dernier combat, avant le point de passage, où une fois qu'on passe, on ne peut plus se téléporter, on ne peut plus reculer. Il y en a toujours un. Un téléchargement complètement long et inutile. Enfin, c'est utile, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux. Là.
En fait, je suis en train de penser à un petit truc. J'aurais pu me téléporter directement en haut. Mais bon, ils m'ont demandé d'être de venir là, je sais pas pourquoi, donc on va faire comme ça, hein. Et aussi parce que faut quand même qu'on réussisse à passer ce passage correctement. Et cette fois, ça devrait aller. Heureusement qu'elles sont solides, les flèches. Bon, merci. Tiens, bon, jeune âge, j'arrive. Au passage, il n'y a pas autre chose que je pourrais prendre. Ben, j'ai assez pour acheter une de ces armes-là. Et vu que je suis du genre à utiliser beaucoup les fusils, autant prendre un fusil militaire. Hein. En plus, ça me donne un point d'expérience. Alors, je peux dire non. Je sais que. Ah! Que je ne t'ai jamais beaucoup. De ta mère, Lara. Mais sache que malgré le peu de temps qu'elle a passé avec toi, elle t'aimait plus que tout au monde. Nous étions très heureux tous les trois. Et quand elle nous a quittés, j'étais dévasté. Je le suis toujours. J'espère trouver un jour un moyen de faire disparaître cette douleur. Pour moi, il est trop tard. Mais pour les autres, commence à radoter. Je n'aurais pas dû prendre ce dernier verre. Faites beau rêve, ma puce. Est-ce que c'était pour elle? Ces questions sur la vie auxquelles tu voulais tant répondre? Ou était-ce juste une excuse? Peut-être que je te faisais trop penser à elle. Voilà. Bon sang, Lara, tu parles d'un fantôme. Avec un autre fantôme. C'est peut-être toi qui as besoin d'un verre. Peut-être la regretter, mais en même temps. Mais peut-être prendre celui-là finalement parce que les dégâts sont quand même plus forts et la cadence de tir un peu plus élevée. Bon, j'ai acheté un fusil pour rien, vous allez me dire. Mais bon. Et hop! Une zone qu'on n'a encore jamais atteinte. En même temps, j'ai pas. Je sais pas si tu m'entends, Lara. Mais je perds pas espoir. Il se passe quelque chose là-bas. T'es sur pause pour lire, hein, d'accord? Et là, on va prendre un petit coup d'accélérateur ici. Pour les prochaines fois. Et un coffre. Alors, ça c'est surprenant. Un pistolet déverrouillé. Alors, mais que demander de plus, hein? Alors, un sac. Ça va nous révéler quoi? Mais pendant que j'y suis, on va aller. Je retire ce que j'ai dit, on va pas prendre celui-là. Par contre, celui-là, oui. Et voilà. Bon, la tempête de neige commence à s'approcher un peu trop. Il faut que je trouve un refuge. Ah bah moi je veux bien, mais avance. Bon d'accord, c'est pas facile de marcher dans la neige, mais est-ce qu'on aurait pu combinaison. Voilà. J'espère qu'on va pas se refaire capturer.
Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée. Tout le monde saura que tu avais raison depuis le début. Que tout ceci était réel. Que tu n'étais pas fou. Je vais le prouver, papa. Il est mort en 2003. Je te le promets. Lara, dépêche-toi. Jonah t'attend. Jonah. Ah, faut pas oublier, hein. Bon, on avance. Et maintenant qu'on a tout le matériel, plus d'excuses, on peut accéder partout. Où est-ce qu'on est, là? Ah, centre de recherche. Je sens que ça va être intéressant. Attends. Ah oui, il y a un défi. Vous allez peut-être dire que c'est idiot ce que je fais, mais on sait jamais si on trouvait quelque chose. On pensait qu'il y avait un truc, mais bon, au moins comme ça on est fixé. Par contre, c'est quoi le défi ici? Je ne sais pas. Faut toujours faire les défis, ça rapporte plus, encore plus d'expérience que le reste, alors. Malheureusement, c'est pas par là qu'on va. Alors, empruntez le chemin Sophien pour rejoindre le complexe des Trinitaires. Ah bah dis donc. Heureusement qu'on a des pionniers. Heureusement. Jonah doit être là-bas, quelque part. Ah. Extraordinaire. La source divine. Elle est au cœur de la cité antique, enfouie sous la glace. Alors ne perdons pas de temps. Je préviens les équipes de forage et j'organise le transport. Nos hommes ont rencontré les immortels dans les archives. Ça ne va pas être facile, petit frère. La voie sainte est un chemin pavé d'embûches. L'enfer, beaucoup moins. Les hommes sont-ils conscients de ce qui les attend? Non. Mais ils sont entraînés au combat et prêts à mourir pour la cause. C'est tout ce qu'on leur demande. Constantin, maintenant que nous sommes proches de la fin... Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes. Et si les Trinitaires ne te laissaient pas garder la source, il faut qu'on soit prêts à... Non ! Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les Trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi... Sont vraiment cinglés. Alors que je corrige ça. Le prisonnier est prêt, on vous attend pour l'interrogatoire.
me mets en route. Oh, Jonah, je vais te demander de patienter. On arrive. T'inquiète pas, on est là. Bon, on va venir te sauver. Alors, enfin, si on y arrive, hein, parce que vu comment ça va être long, je sais pas si en une seule vidéo j'arriverai à tout faire. D'accord. Ouais, tous les jours qu'on voit ça. Ça me fait que des points d'expérience et absolument pas de cuir. Donc les écureuils, c'est pas intéressant. Là par contre, ça... s'il n'y a rien. Des traces. Bah quoi, il fallait bien que j'ai du cuir. Et ici, y a rien d'intéressant. Ah bah je cherche, hein. Tout a l'air calme, reste quand même sur tes gardes. On attend des invités. Croft pourrait essayer de venir chercher le prisonnier. On est en alerte maximale. Pourquoi on le tue pas directement? Il sait peut-être quelque chose. Constantin va se faire un plaisir de le cuisiner. Fait. C'est bon, Dieu! Sans se faire repérer. Est-ce que par hasard... Oui, c'est ça. C'était en détruisant leur réservoir. Et il y en a quatre. Bon, bah au moins, on sait ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le camion était trop lourd. On s'est effondré. Tout se casse la gueule ici. C'est pas possible. Faut pas qu'on prévienne. Pas la peine. Tout le monde est en train de se préparer pour la prochaine phase. Ok, on a enfin trouvé ce qu'on est venu chercher. C'est pas sûr. Constantin a juste donné l'ordre à tout le monde de se préparer. On va pas perdre de temps. C'est ta première opération sur le terrain pour les Trinitaires? Non, j'ai participé au nettoyage de l'île, après l'évasion de Croft. Leur mission, il paraît que vous avez eu à descendre des natifs là-bas aussi? Ouais, une sorte de sec. Assez balèze, ouais. Et maintenant, nous... On va se la coltiner. Attention! Pas très efficace. On subit des pertes! Et voilà.
Alors, les grenades n'étaient pas très efficaces parce qu'apparemment, ils ont esquivé. Bon, sinon, à part ça, il y avait des choses intéressantes. Et on monte, on monte, on monte. C'est quand même ballot de partir sans avoir accompli. J'ai pris quelques trucs. Ah, ben voilà un truc intéressant. Bah ici, il n'y en avait pas, apparemment. Non, la suite, par contre, est par là. Et vu le temps de durée de vidéo, je ne sais absolument pas, je crois que ça va se faire en deux parties. Et grâce à une amélioration que j'ai faite, normalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le pont s'est effondré. Il va falloir qu'on expédie le reste de la cargaison par les airs. J'espère qu'ils ont trouvé quelque chose là-haut. J'en peux plus de cet endroit. Patience. Si tout se passe bien, après on pourra aller où on veut. Alors, ça s'est bien passé l'attaque de l'observatoire? Ouais, ils ont récupéré la classe. Ils l'ont emmené à la station météo. Quoi là-bas? Je sais pas trop. J'ai entendu des briefs de transmission à propos d'Anna qui voudrait accéder au dôme. Peut-être qu'ils ont une idée de comment le traduire? J'en sais rien. Mais on a reçu l'ordre de plier bagages. Les choses vont s'accélérer maintenant. Eh ben, on passe un peu de ménage. Et hop, j'ai fait n'importe quoi avec la bouteille, j'en conçois. Décidément, le fusil à pompe, c'est pas mon arme. Hein. Je l'utilise quasiment jamais. Quoi ? C'est bon ? Rien d'autre ? Par ici, qu'est-ce qu'on a? Oh non, mais sérieux! J'avais sauté! Bon, il n'y a plus qu'à tout recommencer. Lara, avance! Quoi? Grenade!
Attention, grenade! Voilà, ça a l'air plus calme maintenant. Par contre, il y a un truc qu'on peut faire. Et voilà, ça en fait deux. Alors, pour commencer, il y a ça aussi. Une vieille plaque soviétique. Faudra que je revienne ici vraiment plus tard. Allez, on s'infiltre. Un œil dans le coin. Ça, je m'en doutais. On l'avait vu dans la cinématique. C'est un sceau pour sceller les lettres du Trinitaire. Presque plus personne n'utilise ça. Ah bah eux, c'est de la vieille école. Voilà un pistolet lourd. Pistolet lourd. On pourrait les améliorer, ceux-là. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi nos armes à améliorer ici. Enfin, si j'avais un peu plus de cuir. Attendons, on peut quand même faire ça, je crois. Là. Petit rechargement. Habilité de recul, ouais. C'est ce rechargement. Ça, merci. Ah ben ça aussi, en fait. Hein. Bon, bah, ben, ça ira comme ça. On a l'air d'être bientôt arrivé au centre de recherche, donc on dirait bien, les équipes de démolition sont déjà en train de charger les hélicoptères. J'espère que la pause cigarette s'est bien passée, parce que maintenant, c'est la pause à pic. Ouais, ce lance-grenade est vraiment nul. Ça, par contre, ça m'intéresse. Fusil à pompe déverrouillé. Cible récupérée. Tu parles ? Mais ça me littéralement. Je
était avec Constantin en Syrie. Ouais, c'était un sacré bordel. Croft, Constantin, c'est son départ avec les autres. Elle a réussi à faire ses choses. Reste bien sur tes gardes et continue à faire tes rondes. Un vrai boulet, celle-là. En parlant de Croft, elle est toujours en cavale. J'ai l'ordre de la ramener en vie. Tu peux l'oublier. Elle nous cause trop de problèmes. J'aurais dû s'en faire. A conduit ici. Tu crois que les Trinitaires voulaient la recruter? J'en sais rien et je m'en fous. Les ordres sont les ordres. Si on la voit, on la tue. On se disperse. On se fait attaquer. Soyez vigilants. Ça va. En tout cas, on en a tué quelques-uns. Quoi? Là, ça c'est mieux comme score. En tout cas, maintenant, on est un peu plus tranquille. Non, c'est pas ça que je voulais. On est un peu plus tranquille pour fouiller la zone. Bon. Avec les camions détruits, ça devrait les enquiquiner un bon moment. Bon, ben finalement, ça va être une vidéo très longue. Mais au combien pratique. Déjà. Nous sommes à l'aube d'un monde nouveau. Ah, et ben, on fait qu'avancer dans les découvertes. Un pendentif. Non, c'est un reliquaire moderne. Il contient un minuscule os humain. Saint Pérégrin, saint patron des malades incurables. Ah, attendez pas ce genre de choses. Enfin, ça reste utile comme expérience. Je sais pas pourquoi ça avait lagué avant. Ah, ça c'est ballot. Apparemment, il n'y a rien d'intéressant. Allez. Encore une relique. Une cartouche de fusil. Mais elle a quelque chose de spécial. Ouais. Il y a une inscription en latin en bout. Tuez-les tous, tu reconnaîtras les siens. Encore un truc des Trinitaires, on a vu le symbole. Avec tous ceux qu'on a tués, ils ne devraient plus être très nombreux, les Trinitaires. Parce que là, sinon, c'est le monde entier. En même temps, vu le nombre de fanatiques qui existent. Je refuse de mourir dans cette vallée perdue. Ma foi est forte. Ah bah bravo, c'est celle qui fait tout, qui a tout fait. Et ça, c'est... Je me suis rapproché cette fois. Je me suis dit que quand je te trouverais, j'aurais peut-être appris. Ouais, c'est par là. Bon, bah au moins on a récupéré l'Atlas. Je commence à me lâcher, pliez-vous à la volonté de Dieu! Si vous comptez me faire un serment,
Jonah! Non, ça c'était là où on vient. Donc là, on va foncer dans le tas. Ok, c'est parti. Allez, messieurs, dames, maintenant on ne traîne plus. Négatif, on passe à la phase suivante de l'opération. Préparez-vous à partir. Oh merde! Voilà, il y a tout qui s'enchaîne. Ah bah oui, comme je le disais, tout s'enchaîne. Alors là, messieurs, dames, j'espère que vous n'avez pas prévu de regarder un film pour votre soirée. Parce que là, c'est action à volonté. Par contre, je crois que j'ai oublié un camion des Trinitaires. Je sais pas où. Tant mieux, moi non plus. Je vous emmène pour avec moi. C'est parti. Oh. Bon, la discrétion. On repassera. Ah. Heureusement que j'ai amélioré mes armes. Votre loyauté envers elle est totale. Et je vous admire. Vraiment. Mais vous avez atteint mon seuil de tolérance. Ah, parce que t'en avais ? Dites-moi ce que vous savez. Maintenant. Tire, tire, on n'a plus le choix là. S'il vous plaît, non. Ne l'écoute pas. Je faisais seulement ce que je croyais être juste. Oh la vache! Ratissez les cellules. Tuez-les tous. Oh Jonah, pourquoi tu nous as... Bon d'accord, c'était un tas peu dur, mais là... Ce sont vite ces barrières, ces filtres. On n'a pas les mêmes dans les voitures. Je suis désolé. J'aurais dû le tuer. Mais il avait pas d'armes. J'ai pas pu. Ça reste à ton honneur. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis tellement désolée de t'avoir entraîné dans tout ça. Je croyais que je pouvais le faire. Ils arrivent. Ils nous encerclent. Cette fois, c'est moi qui veille sur toi. Il va mourir. On n'a pas beaucoup de temps. Merci d'être honnête. Barricadez la porte. C'est un succès, quoi qu'il en coûte. À toutes les unités, répondez. Il faut qu'on s'occupe d'elle. On sera bientôt en position. Ah. Je sais que tu aimes lire les revues archéologiques maintenant, mais je t'en prie, si tu lis des choses déplaisantes à mon sujet, n'y prête pas attention. Ces gens ne comprennent pas la portée de mes recherches. Elles les effraient même peut-être. Mais l'ignorance de ces imbéciles ne m'atteint pas, et elle ne doit pas t'atteindre non plus. Je t'expliquerai tout le moment venu, ma chérie. Ces gens qui avaient peur... Est-ce que c'était les Trinitaires ? Tu ne m'as jamais dit.
J'imagine que ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Ils m'ont retrouvé. Nous aussi. Je vais devoir les affronter. T'inquiète pas, Lara. On va le faire tous ensemble. Mais une prochaine fois. Portez-vous bien, messieurs, dames. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si vous avez envie de voir la suite. Laissez des commentaires sur les réseaux sociaux. Au revoir, à la prochaine. Parce que là, ça va chauffer. Ouais, c'est tout un ensemble. Ça, bah dis donc. Je me demande s'il n'y a pas un camion quelque part à détruire.